Résumer mon travail. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis parti, quand j'avais une trentaine d'années, faire une étude sur les lions au Kenya. Et j'emmenais les touristes le matin en ballon. Et c'est comme ça que j'ai découvert la photographie aérienne. Et c'est vrai que ce travail a complètement changé ma vie. On explique le monde à travers une photographie aérienne. On comprend comment les gens mangent, où ils vivent, comment ils se déplacent, ils sont riches, ils sont pauvres. Ça montre très vite beaucoup de choses, la photographie aérienne. Je m'appelle Yann Arthus-Bertrand. Je suis photographe, réalisateur et activiste. Mais ça, dis-le avec plus de... Plus d'énergie. Ah oui, plus d'énergie, vas-y. D'accord. Liberté, liberté, Lipanda. Woman, c'est pour moi un film, peut-être le dernier long-métrage que je ferai de ma vie, peut-être. Que je pense que j'aurais du mal à trouver quelque chose de plus fort que ce projet. Que faire un film sur les femmes, c'est faire un film sur le monde actuel. C'est faire un film sur l'injustice, sur le courage. Et c'est surtout faire un film sur l'amour. Donc, tout ça... C'est 3000 interviews dans le monde sur qu'est-ce que c'est d'être une femme aujourd'hui. Et puis surtout, il y avait ce groupe de femmes, tam-tam, que j'avais envie de mettre en avant. Voilà. Et c'est... Dans le film, on essaie de mettre de la musique avec Armand Amar, et ce sont des gens amateurs, tu vois, cette musique instinctive. Sans frontières. Quand tu vois ces femmes qui jouent avec tellement de plaisir, c'est ce que j'ai envie de montrer dans le film. Le drone ne remplace pas l'hélicoptère, ça se complète, c'est pas la même chose. Et quand je volais en hélicoptère, je me disais toujours, mais qu'est-ce que les gens qui vivent sous mes photos ont à me raconter? Tous ces gens que je voyais travailler, j'étais très très loin d'eux. Donc il était évident que j'allais forcément aller vers le drone. Alors, s'il vous plaît, Garcia, beaucoup d'énergie, beaucoup de sourire. Vous êtes heureux d'être là. Hein, la liberté, liberté, sourire. Yann, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'intuition. Yann, tout de suite, saisit quelque chose que les autres n'ont pas nécessairement vu. Et on s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement ce qu'on avait prévu. C'est même assez rarement ce qu'on avait prévu au départ. Je suis certainement des rares réalisateurs au monde qui travaillent un peu à l'aventure. On a un plan de travail assez précis qu'on ne suit jamais. C'est un peu compliqué pour trouver l'argent parce que, en fin de compte, c'est presque une page blanche. En fait, c'est comme ça qu'on fait des belles choses, justement, en improvisant. Plus qu'en construisant. Je parle pour nous. Là, vous êtes très serré, vous êtes prêts ou pas? Ferdinand! Hop! Complètement la façon de filmer. Il n'y a rien de plus extraordinaire quand on est un réalisateur de partir très près, de reculer, de monter, de revenir en arrière. C'est un peu de truc magique que tout le monde rêvait de faire. Mais je pense que ce n'est pas ça qui fait le talent en tout cas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce que je vais en faire. C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'outil, c'est que ça sert à quoi.
Je pense que je fais des films de photos, c'est-à-dire que je filme énormément, mais un peu comme un photographe. C'est-à-dire que le cadrage est primordial, la lumière est primordiale. J'ai vraiment dans mon œil le cadre photo et je vois à travers un cadre. Qu'est-ce que c'est qu'une belle image? C'est très subjectif, ça. Moi, j'enlève tout ce qui est moche. J'essaye de montrer que ce qui est beau. Moi, la beauté m'attire. On me l'a reproché un petit peu, ça. Je suis vraiment un photographe de la beauté du monde. Quoi. La beauté amène de l'émotion. C'est à travers cette émotion qu'on peut faire bouger les gens. Tout ce que je fais, moi, ça donne du sens. Hein. Tout ce que je fais, c'est d'essayer de changer le monde. Si je fais un film sur les femmes, c'est pour qu'on change tous.